Vous venez de trouver l'emploi de vos rêves, mais le recruteur vous demande une lettre de motivation en plus de votre CV. Mister Bilingue vous donne toutes les clés afin de faire la meilleure des lettres de motivation. Concernant la mise en page, votre lettre de motivation ne doit tenir que sur une seule page. Aussi, faites en sorte d'avoir des paragraphes aérés et clairement identifiables. Il y a trois parties pour écrire une lettre de motivation parfaite. La première sur l'entreprise, la seconde sur vous et enfin la dernière sur vous et l'entreprise. En clair, vous devrez d'abord montrer que vous avez compris les missions et aspirations de l'entreprise pour ensuite développer sur vos expériences antérieures et enfin finir en expliquant pourquoi vous êtes le meilleur candidat pour ce poste. Dans cette première partie, vous devrez montrer que vous avez compris les missions et aspirations de l'entreprise. N'hésitez pas à expliquer pourquoi, selon vous, c'est une entreprise à suivre. Dans la seconde partie, vous pourrez valoriser votre parcours professionnel via la rédaction. Cette rédaction s'articule en trois points. Premier point, vos expériences professionnelles passées en lien avec le poste visé. Deuxième point, vos diplômes. Enfin, troisième point, vos compétences. Dernière partie et sûrement la plus importante, que pouvez-vous apporter à l'entreprise? Ce sera ici pour vous l'occasion de mettre en lien vos compétences, votre savoir-faire et votre savoir-être en lien avec les ambitions et les aspirations de l'entreprise dans laquelle vous postulez. Vous pourrez par exemple évoquer les qualités humaines qui feront de vous un excellent collègue pour votre future équipe ou encore parler de vos ambitions et de votre envie de gravir les échelons au sein de l'entreprise. En clair, il faut faire un lien entre vous et l'entreprise afin de montrer que vous êtes le candidat le plus crédible pour ce poste. Si vous n'avez toujours pas trouvé d'emploi et que vous êtes à la recherche de postes pour bilingue et multilingue, n'hésitez pas à aller consulter nos offres d'emploi. Et si vous recherchez d'autres conseils sur la recherche d'emploi, n'hésitez pas à aller consulter notre blog.